Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Donc aujourd'hui nous allons tester cette coque donc, qui est donc en gel TPU renforcé avec des finitions mat de très bonne qualité. Donc c'est une coque spécialement anti-choc. Donc pour ce test je dispose de la coque, enfin de cet accessoire en blanc et en bleu, hein. C'est un bleu un peu, on dirait un peu, ouais, un bleu un peu turquoise. À savoir que cette coque existe donc en blanc, en bleu, en rose, en jaune, en vert et en noir. Donc ils ont toutes des finitions mat, elles ne sont pas transparentes, elles sont vraiment mat, on voit rien à travers. Vraiment de bonne qualité, la voici en bleu. Hop. Donc toutes les coques, n'importe quelle couleur que vous preniez, est munie d'un petit, une petite ligne noire sur le tour qui fait vraiment tout le tour de la coque. Donc sur toutes les couleurs, sauf si vous prenez la coque en noir. Donc si vous prenez la coque en noir, le tour sera blanc. Mais sinon sur vraiment sur les autres coques, le tour est noir. Donc sur la blanche il est noir, sur la bleue il est noir, sur la rose il est noir, sur la jaune il est noir. Mais sur la noire forcément le tour est blanc. Voyons tout de suite ce que ça donne un peu sur l'iPhone. Hop, comme d'habitude le haut, les petits côtés avec les petits boutons. On met le bas et l'autre bas. Voilà, donc là la coque est bien posée sur l'iPhone. On peut voir que le tour blanc est vraiment très présent. Donc à mon avis sur un iPhone noir ça doit rendre beaucoup plus joli, le fait d'avoir l'iPhone noir et le tour blanc. Hop, sinon ça fait quand même très beau sur un iPhone blanc avec justement donc ce tour noir comme je le disais. Qui fait vraiment, qui rend vraiment bien, ça donne vraiment un beau design à l'iPhone. Voilà, donc on fait un peu tout le tour. Le bouton power qui est protégé, donc pas un bouton blanc. La ligne noire passe dessus et le contourne, ça fait vraiment très beau. Au niveau du côté, il y a le trou pour le switch vibreur son. Le bouton plus, le bouton moins sont protégés également. Au niveau du bas, alors c'est vraiment très beau en bas, j'adore vraiment le design. Donc pour le lightning, pour le jack, pour le microphone et pour le haut-parleur, c'est vraiment très beau. Voilà, on peut voir, la partie noire est vraiment bien dessinée. Et là, tout le côté, donc c'est pareil, la ligne noire tout le tour. Il n'y a pas d'ouverture pour le tiroir SIM, donc pour changer la carte SIM, il faudra bien évidemment retirer la coque. Comme la plupart des coquettes. Au niveau de l'arrière, donc c'est couleur unie, mat, vraiment vraiment très, une très belle couleur, même si ici c'est blanc, c'est vraiment un très beau blanc. Je ne sais pas si vous voyez bien vraiment que c'est un beau blanc, mais je vous le garantis. Donc avec le tour de l'appareil photo qui est aussi noir comme sur le toit. Donc une très très belle coque. En bonne qualité, vraiment anti-choc. On sent que c'est résistant. C'est vraiment une coque qui fait pour les chocs, enfin anti-choc. Et qui est aussi à la fois, bien évidemment, très belle. Voilà. On va voir un peu ce que ça donne avec la bleue. Je vais vous épargner, comme d'habitude, le montage. Voici ce que ça donne en bleu. Donc, le tour bleu, donc un peu, comme je disais, un peu turquoise à mon sens. Qui fait vraiment très beau sur un iPhone blanc, hein. Ça ressort bien. Toujours ce tour noir. Donc au niveau des boutons, je ne vais pas les remontrer, hein. Même les ouvertures, c'est exactement pareil, hein, tout le tour. Voilà. Ça fait vraiment très beau pour donner de la couleur à votre iPhone. Sur un iPhone blanc, savoir que bon, toutes les couleurs sont belles. La coque en noir, elle doit être aussi très belle. Et sur un iPhone noir, bien sûr, la coque en blanc, ça doit bien ressortir aussi. Sauf que sinon, donc les couleurs, comme je l'avais dit, bleu, rose, jaune, vert, ça rend aussi très bien, surtout pour l'été. Voilà. Donc je rappelle que c'est une coque en gel renforcé. Donc c'est du TPU renforcé. On sent vraiment que c'est très épais, très solide, avec finition mate, cette bande noire, toutes les ouvertures. Donc c'est une coque que vous trouverez sur eBay, dans la boutique de mon partenaire. E-shop, enfin shop e-net. Je vous mettrai tous les liens dans la description, ça y a pas de problème, vous retrouverez cet accessoire aux alentours de 6 euros, à savoir qu'il est régulièrement en promotion.
Donc voilà tout ce qu'on peut dire sur cet accessoire qui est vraiment de très bonne qualité. Voilà, c'est tout pour ce test. À bientôt pour un nouveau test justement. En attendant, portez-vous bien.